Des derniers championnats du monde à Dortmund, vous étiez au rendez-vous dimanche dernier en Allemagne. Eh bien, cet après-midi, c'est donc de Marseille que nous vous proposons ce gala de haute virtuosité, avec maintenant l'apparition d'un des titulaires de l'équipe de France, Frédéric Nicolas, à la barre fixe. Oui, Frédéric Nicolas qui a fait son entrée dans cette équipe de France au championnat du monde la semaine dernière. Oui, c'est un tout nouveau titulaire. Voilà, prise d'élan. Premier lâcher de barre, Markelov, c'est-à-dire un franchissement avec demi-tour. Deuxième lâcher enchaîné, salto arrière avec demi-tour, reprise de barre. Grand tour d'un bras, deuxième grand tour d'un bras. Et troisième lâcher de barre, Anginger, demi-tour. Voilà un travail près de la barre, les jambes écartées. Changement de face. Attention, Frédéric Nicolas va nous préparer ici son passage dorsal pour une sortie vers l'avant en double avant-carpé demi-tour. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, à l'occasion de ce gala, les gymnastes se sentent libérés parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de juge pour sanctionner les petites fautes ou parfois les déséquilibres. Et c'est la raison pour laquelle les gymnastes se sentent totalement en confiance. Parfois, il y a un excès de confiance qui les pousse justement à la grande difficulté et au risque permanent que présente la gymnastique. Mais vous verrez cet après-midi des choses. Maintenant, Frédéric Nicolas, qui fait partie de cette équipe de France et qui va sans aucun doute nous présenter là un tour d'un bras, voilà. Invention chinoise. Et puis maintenant, peut-être un lâcher. Alors voyons voir, ici un demi-tour, le soleil, ah, il va la sortie directement. Et la sortie, double arrière fort groupé avec une vrille. Alors c'était un petit passage d'échauffement pour Frédéric Nicolas. Il nous montrera certainement beaucoup plus difficile tout à l'heure. Et la grande difficulté pour les gymnastes, c'est de ne jamais oublier au cours de cet exercice à la barre fixe, il faut mémoriser toutes les figures et il arrive parfois qu'un gymnaste en cours d'exécution ait une de quelques millimètres cette barre fixe en acier trempé, très souple, qui ne rompt jamais. Ce sont les gymnastes qui la manquent. Lorsqu'elle tremble, il faut la rattraper dans le mouvement. Et là, avec Frédéric Nicolas du Centre National d'Antibes, on va peut-être voir un bogging. C'est un Markelov. Voilà, deux lâchers enchaînés à Markelov. Il y a franchissement de la barre avec demi-tour. Autant il a enchaîné le Ginger de deuxième lâcher. La difficulté, bien sûr, d'enchaînement. Ici, encore un troisième lâcher d'un bras cette fois en Ginger. L'accélération. Un passage sur le dos. Et superbe grand tour dorsal, accélération fouettée, double avant-carpé, demi-tour. Très Frédéric bon Nicolas. Réalisé donc très, par très, Frédéric très bon Nicolas d'Antibes. Et nous sommes. Alors, on revoit la d'entrée, la prise d'élan, le Markelov, le franchissement au-dessus de la barre avec un demi-tour. Et autant le Ginger, salto arrière avec demi-tour, reprise de barre autant. Là, son grand tour dorsal qui va nous permettre d'apprécier la technique. Ici, le